Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et sur ce nouveau live sur City of Gangsters avec notre petite aventure qui se place plutôt bien pour l'instant. On est un peu en course parce que c'est la période des élections et que nos candidats ont du mal. Mais bon, ça se passe quand même pas trop mal je trouve. Et en attendant que Squashy soit de nouveau en forme, enfin disponible et puisse nous aider, je pense qu'on va essayer de devenir... Alors peut-être pas pote, mais éventuellement de trouver des relations avec les fils Klein ici. Il y a une personne qu'on connaît et qui a quelque chose en lien, et c'est cette sympathique Lakeshore Bowling, hein, Louise Brunner qu'on connaît bien. Donc on va revenir avec Matthew, parce que de toute façon il va pas aller tout seul titiller l'organisation Carpenter. Hein. Donc on va se replier avec lui, et ici on va continuer de... voir pour récupérer un petit peu d'argent. Nos objectifs sont du coup d'essayer si on peut de trouver un nouveau bâtiment pour gérer ce gros problème de bâtiment plein tout simplement. Hein, parce que ça commence à être un petit peu critique. Quasiment tous nos bâtiments sont bien pleins. Là on est à 94%, ici on est que à 68%, mais c'est quand même tendu. On a 50 de bière artisanale ici, on va peut-être du coup profiter de ça pour aller en récupérer un petit peu, ça fera de la place. Et aller la filer à la gare. On se balade même avec du maïs sur nous parce qu'on sait plus quoi en faire. Ici on a du cidre qu'il va falloir qu'on vende hein, puisqu'on n'est pas capable de malheureusement de trouver la compétence qu'il nous faut pour améliorer notre speakeasy et c'est franchement très très dommage. Alors Squashy Hoffman demande à engager des membres assemblés pour le casse, donc il faut 1000 balles pour son casse. 1000 balles ici, et visiblement on les a pas. Alors effectivement on les a pas. Chocho elle a un petit peu mais pas non plus grand chose, donc on va aller les déposer, tant pis. C'est dommage mais c'est comme ça. 1000 balles, voilà, on est reparti pour le castoc, c'est parti. Une petite réunion pour finaliser le braquage, ok, pourquoi pas. Ici, elle s'est fait déloger, très très bien. Il va falloir qu'on s'en occupe, donc avant, à la gare. On livre un petit peu de bière, on n'a pas encore assez mais on s'en rapproche. Et toi, c'est juste ici. Tu dois nous rembourser tes dettes. 500 balles? Non. Il nous faut des sous. Il nous faut des sous, il nous faut des sous. Alors, ici, allons voir un peu ce qu'elle a foutu pour perdre comme ça en réputation. On peut rien y faire pour l'instant. Et ici... on peut rien y faire non plus. Ici, est-ce qu'on peut te proposer de soutenir? Non. On peut pas te proposer de soutenir, malheureusement. Et toi, comment ça se passe chez toi? On peut rien faire, ok. Ziki Ziki, comment tu te débrouilles, Ziki? Pas excellemment bien, tu viens de déposer du sucre, ok, il y a suffisamment de sucre là. Acheter sucre autant que possible, hein. Oui, juste après avoir acheté des fruits à coque, c'était ça, c'était pour remplir. Jusqu'à ce que le véhicule en ait 20 sacs, ça c'est pas bon ça. On en veut jusqu'à ce que le véhicule en ait 10 max. Pareil là, hop.
Alors, et encore, tu le déposes. Non, là, t'achètes et tu déposes pas. Donc, ouais, non, c'est bon, ça le fait. On le dépose après. Donc là, on en achète un petit peu. Et à quelle tâche acheter des bouteilles? Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. Alors, le signe noir, il a plus aucun point d'action. Dommage. Il va falloir, je pense, qu'on aille voir ici pour améliorer notre... notre petite zone. Et re-canton, et merci pour le trinquage, on trinque. Et on est reparti sur City of Gangster, tout à fait. Alors toi, j'aimerais que tu te rapproches de quelques fauteurs de troubles. C'est parti. Non, pas toi, toi. Matthew Brennan, tu vas aller te rapprocher ici et voir si on peut pas... et titiller un peu. Eux, ils ont une proposition à nous faire, c'est pour ça qu'elle attend là, elle, je crois. Mais on s'en fout, hein. On veut pas faire la paix avec eux. On veut pas de trêve avec eux. De ce côté-là, est-ce que ça se rattrape un peu? Désormais, c'est l'opération McLoughlin. C'est elle, McLoughlin. Ils sont plus que deux. Mais ils ont pas été trop repoussés, hein, au final. Ils s'en tirent pas si mal. Plutôt bien pour eux. Et on passe le tour. Alors, j'aurais besoin d'aide pour que cette réunion de gros bras se passe plus en douceur. Bah, du moonshine, ouais. Tout est prêt pour passer à l'action. Bah, il est temps. Alors, ici, Marvin Sharp est en train de se faire repasser devant, et là, elle arrive tant bien que mal à passer. C'est jusqu'à quand les élections? Dans 2 semaines. C'est tendu, hein. Parlons de projet de campagne. Il peut rien faire avec son budget. Il peut rien faire avec son budget, on va clairement pas lui filer 6000 balles. Ce serait marrant cette compétence fabrication de badge là, mais on l'a pas trouvé malheureusement. Ici, on va vite fait passer là, puisque lui, il connaît des gens qui pourraient nous intéresser. Non, c'est pas ça. Toc, tu connais des gens qui nous intéressent. Carla Ziegler. C'est ouf, hein. Livre de recettes. Ok. Un truc pour les maisons de jeu, visiblement. Mais c'est toujours pas ce qui nous intéresse, malheureusement. Du coup, on va plutôt aller ici. On va proposer à cette personne. On a combien de faveurs? Beaucoup. Donc déjà, on va faire ça. Rencontrer son ami David. Très très bien. Et j'aimerais agrandir mon territoire. 1000 balles. On veut s'agrandir. Oui, mais j'ai pas 1000 balles sur moi. Non, j'ai pas 1000 balles sur moi, on est d'accord. Où sont nos sous? Il y a eu un dépôt qui a été fait, parfait. Au Raymond Senoir Undertaker. T'as de quoi vendre, toi? Ouais, t'as de quoi vendre. Pas grand chose quand même, hein. Il faut penser à hydrater les seniors. Oh, je suis pas si vieux quand même. N'abusons pas. Ici. On va lui demander, on va lui dire qu'on est intéressé. Et après, je pense que Matthew, il va être grand temps que tu viennes nous filer un coup de main pour le management. Notamment, je pense, en faisant les quêtes. Peut-être si on pouvait faire ça, ça on n'a pas commencé, on va faire ça. Donc il nous faut du bois et des briques.
Allons-y pour du bois et des briques. Du bois, normalement, on peut avoir des prix intéressants là. Donc Mathieu, tu vas parvenir à récupérer un peu d'argent quelque part. Tiens, on va prendre... Non, tu vois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par venir là. Prendre ce blé, aller le déposer ici. Même si théoriquement, c'est plutôt plein. Ouais, faut que t'arrêtes d'acheter du blé, toi. C'est qui achète du blé? C'est Canton qui achète du blé. Bah écoute, Canton, faut que t'arrêtes d'acheter du blé, là, ça suffit. On a largement assez de blé pour faire 20 000 productions. Donc on va se détendre sur le blé. Ce qu'il faut, c'est des bouteilles. Voilà, on dépose des bouteilles. Et Malvin Esposito, là. Malvin Esposito. T'es plein. Dans la vache, il peut prendre 63 bouteilles de moonshine, mais on n'arrive pas à les couler quand même, quoi. Il va nous falloir un autre livreur. Hein. Il va nous falloir un autre livreur. Hein. Pour la Maréto, comment ça se passe? On a réussi à acheter quelques bouteilles. C'est pas dingue, on va pas se mentir. Alors on n'a pas regardé si David Turner il pouvait nous apprendre un truc intéressant. David Turner. Non. Bah ouais, je sais, il faut un grand entrepôt Canton, mais bah pour ça il faut des sous. Il faudrait qu'on améliore notre Tikizi pour éliminer nos ressources. Bref, on est un peu dans le mal. Là-dessus, on est clairement un peu dans le mal, je trouve. Est-ce qu'on aurait des recrues intéressantes? Genre aimables. Aimable et laid, bof. Sociable et mal et croyant. Oh, c'est pas mal ça. Hein. Aimable, paresseux et myope, non. Aimable sans rien d'autre. Aimable décontracté et faible. Aimable décontracté et laid. Non, bah on va prendre social, aimable et croyant. Croyant, c'est pas forcément un handicap. Hein. Et on va venir recruter du coup ce personnage. Alors, Mathieu, il a plus de points. Donc, c'est pour le signe. On va lui filer, je pense, on va couper ce truc en deux, là. Alors, j'aimerais embaucher une nouvelle recrue. Social, aimable et croyant, c'est parfait. Tu viens, mec, bienvenue. On a 13 personnes, maintenant. Et donc, ça, on va l'appeler vente. Et on va enlever tous les trucs de collecte. Toc. 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 Hop. Déposer tout. Ouais. On vend du moonshine un peu partout. On vend de l'absinthe. On va lui dire de passer chercher. Faute de mieux. Du cidre. Ici. Tout ce que tu peux. Et puis t'iras le vendre. T'iras le vendre là, par exemple. Tout ce que tu peux. Et là. Tout ce que tu peux, ok. Ça non, du coup on annule. Il faut qu'on réorganise. Donc là, Stefano Flower. Donc déjà, non. Tu vas au Raymond. Tu vas passer, tac 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 ici. Tu vas déposer ton moonshine et récupérer le cidre. Ensuite. Stepanon Flower, je crois que tu vends déjà des trucs au Stepanon Flower. Hein. Non? Si, là. Tu vas vendre du cidre en plus du moonshine. Et là, c'est pareil, tu vends des trucs au rubis. Rubis, là, voilà. Voilà. On va vendre tout ce qu'on peut. Ok. Ok. Ensuite,
La berline à deux portes, on va y affecter Alfred Brunner. Tac. Est-ce qu'on peut cloner? Non, on peut pas. On va faire un nouveau truc qui sera là. Collecte. Et donc là, on va aller récupérer, faire une collecte. Voilà. Alors, on commence par lui. Après, on va là. Après, on va là. Après, on va ici. Après, on va là. On va là. Ensuite, on va là. Ensuite, on va là. Et ça, on l'a déjà fait. Donc après, on va déposer l'argent ici. Tout. C'est parti. En avant, mec. Fais tes preuves. T'as rien dans ta voiture. Hein. T'as rien dans ta voiture. Très très bien. Et t'es où? T'es ici. Tu peux pas prendre un petit truc en passant. On va te filer au moins une arme. Une Thompson, c'est peut-être un peu trop. Allez, un pistolet. C'est bien un pistolet. Et juste pour voir... Toi, t'es déjà plein, je crois. Hein. Ouais, t'étais plein avec ton pick-up, là. Ok, ben faisons ça. Faisons ça, faisons ça. Ici, on a notre recrue. Les élections, c'est dans 2 semaines. Elle a un gros budget, là. Il devrait quand même y avoir moyen de faire des trucs. Est-ce qu'on doit redemander... Non, elle a... on n'a pas à redemander pour le... Je me suis perdu. Ouais, c'est là que je vais. Voilà. On passe le tour. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est prêt pour le retrait. Mais oui, mais allez-y, il est temps là. Il est temps d'y aller. Ah, lui, il fallait qu'on le recorrompe. Zut. Du coup, il a fait une descente. La trêve est terminée. L'organisation n'est plus en colère. Là, on achète des trucs, mais on en a plus. On vend. Il y a des flics, donc on n'a rien pu faire. Ok, donc il va falloir qu'on aille retourner le corrompre, lui. D'abord, on va faire ça. Ça me paraît nécessaire. Ici. Ici, on a de l'avance. On va détourner la réunion du conseil municipal. C'est la dernière ligne droite pour les élections. C'est le moment de tout donner. Toi, tu peux rien faire de toute façon. On est d'accord. T'as absolument pas la thune. Le seul truc que tu peux faire, c'est à 6000. Et t'as pas ce qu'il faut, et je vais certainement pas investir autant dans toi. Si on regarde le district, c'est tout ça, ça va jusqu'ici. Là, le seul cas des faveurs, c'est le flic. Là, on les a déjà fait travailler. Ici aussi, ici aussi. Ah non, je pense qu'on peut pas faire grand chose de plus pour lui, malheureusement. Peut-être là. Donc il faut qu'on passe le corrompre, on va s'en occuper. Non, on peut rien faire parce qu'il y a lui qui est à côté. C'est parti pour une petite corruption. Bon, on va peut-être prendre 2 districts, mais celui-là, là, c'est compliqué. C'est compliqué avec le budget du mec. On est un petit peu en galère, on va pas se mentir. Alors, Mathieu, t'es ici. Tu peux prendre du blé. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et aller ici. Tu déposes le blé et tu vas prendre du moonshine et tu vas aller vendre un peu de moonshine. Ah oui, non mais c'est vrai que du coup, c'est de nouveau Squashy qui est sectionné avec le 2. Là on peut rien vendre, non.
On n'aurait pas ce qu'il faut pour faire notre quête là, on a ce qu'il faut pour faire notre quête. Hein. On va aller chercher de la bière. On va la déposer là, au prochain tour. C'est parti. Alors, main en l'air. Le braquage a réussi, maintenant on va voir si ça en valait la peine et le risque. 12 000 balles. La prise bon n'a pas été très bonne. Ok, bah c'était bien mais pas ouf quoi. Alors... Là on est parti pour gagner... Oh on a gagné à 1% ici, c'est beau GG Sharp. Très très belle percée. On a gagné dans nos 3 circonscriptions. Et ça c'est beau. Et ça c'est très très beau. Et en plus on a de quoi investir dans un nouveau bâtiment. Et eux ils veulent nous parler de nouveau. Et ben franchement, je m'y attendais pas. Mais ça fait bien plaisir. Ça fait bien bien plaisir. Et Ziki... Pourquoi t'as de l'amaretto dans ton... Qu'est-ce que tu fous avec de l'amaretto dans ton truc? Ah oui, tu vends toi aussi? J'avais oublié que tu faisais de la vente. Non, bah du coup tu vas arrêter. On va le laisser finir de vendre, mais on va enlever ça. Toi tu te concentres sur déjà faire ce qu'il faut pour que tu puisses on puisse fournir de l'amaretto, ce sera déjà pas mal. On a d'autres personnes qui font le taf pour vendre hein, parce que là du coup on va pas avoir ce qu'il faut. Par contre il y a peut-être moyen qu'on te fasse acheter d'autres bouteilles parce que je pense que les bouteilles ça commence à être la dèche dans la ville. Non, seulement pas ça. Des bouteilles. On va en acheter. On pourrait en acheter là, mais c'est un peu merdique. On en achète tout déjà. Mayton Produce Grocery. On achète ici des bouteilles. Orchid Tea Store, on en achète là. Ensuite on dépose là, ok. Pourquoi... Attendez, qu'est-ce que je raconte? On achète des bouteilles, on dépose des bouteilles, d'accord, pardon. On achète des bouteilles au Park Storage. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure, il était dans le coin, voilà là. Ensuite on va déposer des bouteilles, et ensuite on va au Central Storage. Qui a un autre storage, probablement là, voilà. Acheter des bouteilles, donc on fait ces trois là pour acheter des bouteilles, ok. Voyons voir si on peut en trouver ailleurs. Là là là, on peut en trouver là. On peut en trouver là, on va en acheter jusqu'à en avoir... 70. Et par contre on va organiser ça un peu mieux. Tu vas en acheter au Central Storage. Midtown Produce Grocery, on fait déjà des trucs. On achète du sucre deux fois au Midtown Produce Grocery, donc ça me va pas ça. Ça, ça dégage. Voilà, on en achète au local produit grosserie, au Midtown produit grosserie. C'est mieux. Et là, on achète jusqu'à 50 bouteilles, jusqu'à 70 bouteilles, on dépose des bouteilles, on vend tout ce qu'on peut, et une fois qu'il aura liquidé son stock qu'il aura sur lui, on sera bien. Alors maintenant, on a plein de thunes. On a plein de thunes là, on va pouvoir... faire des choses.
Donc déjà, on a rattrapé Squashy. Alors par contre, c'est un peu merdique parce qu'elle est en 2 et Matthew est en 3, sauf que du coup, elles sont inversées. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc Matthew, t'étais censé aller vendre. Tu vas vendre, c'est quoi la quête? Je vois que vous commencez à lancer dans la politique locale. Tiens, c'est vrai que... On avait une quête pour l'influence, faut qu'on aille la rendre. Avant, on va vendre du moonshine. 6 pots seulement, bah oui, parce que de toute façon, on en vend déjà bien assez. Il nous faudra un endroit un peu à l'écart de nos points de vente habituels. Genre là ou là. C'est toi qu'on vend, ouais, c'est toi qu'on achète, allons-y. Ouais, bon, 8 pots, c'est pas ouf non plus. Toc toc toc, t'as qu'à venir ici. Tiens d'ailleurs, ça c'est dans notre coin. Ils apprécient la bière. Non, pour l'instant, c'est pas possible. On vend de la bière. Tu nous aimes bien, donc on fait, prend un prix. C'est pas de la bière, c'est du moonshine que je veux vendre. Waouh, fatigue on dirait. Y'a là du coup. Là, ça pourrait le faire. Il nous aime pas plus que ça, donc on doit pas aller lui en vendre souvent. Ok, donc on va aller par là. On verra plus tard. Pendant qu'on est là, on peut pas vraiment lui parler de grand chose pour l'instant. Squashy, ma chère! Il faut que tu ailles récupérer ta Thompson. De mémoire, tu l'as laissée là. Yes. En avant. On va pouvoir retourner jouer un peu avec l'organisation Carpenter. On va commencer par cette demoiselle qui campe ici depuis des plombes en attendant qu'on vienne la voir. On a marre de la voir dans les parages. Elle peut se défendre, hein. Et on l'a one shot. Le problème est que les gens se mêlent de tout, selon le chef de la police. Exactement. C'est insupportable ces gens qui se mêlent de tout. Non mais oh. Donc là on l'a bien reculé là. Ils sont plus que deux dans l'opération Carpenter. On va pouvoir peut-être donner un assaut final dessus. Mais avant, est-ce qu'on se chercherait pas un grand entrepôt? Qu'est-ce que t'en penses, Caneton? Ce serait bien un grand entrepôt. Là, on va prendre la thune. On va aller déposer un peu de bière. Oh, non, il est à 93%. On va retourner le déposer là-bas. Hop. Et donc, au niveau des bâtiments, là, on avait un bâtiment qui fournissait du fruit éventuellement. C'était pas ouf, surtout si on veut. On a déjà quelqu'un qui produit du fruit et nous on veut surtout un entrepôt. Alors ça c'est un commerce de façade. C'est toujours bien les commerces de façade qui nous proposent d'acheter des bâtiments. On va prendre la thune, sachant que ça va sûrement coûter encore plus cher qu'avant. Voilà, on va se balader avec 13 000 sur nous, ça devrait le faire, et on va aller ici. Alors, Squashy, elle est un petit peu dans le mal. Oula. Oula. Squashy, tu vas aller ici, tu vas filer la thune là pour relancer la maison de jeu parce qu'apparemment elle est dans le mal la maison de jeu. Ouais bah en fait si ça l'a fait hein. On va lui redonner une petite réserve. Et après on va commencer à se soigner. Alors qu'est-ce qui a déconné? L'amaretto a déconné, bon on s'en doutait un peu. Là ça a déconné, c'est pas grave, et ça c'est plus gênant. La bière là.
C'est très relou, parce que Moon, je sais pas où elle en est dans sa production, mais il faut qu'elle avance là. Alors qu'est-ce qui nous a manqué? Deux pots en grès, il nous a manqué deux pots en grès, vous êtes sérieux? Qu'est-ce que tu fous toi? Tu vas arrêter avec ton or, je pense. Tu vas en prendre que 10 déjà. Voilà, ça suffira largement. Ça, on va le virer. Il faut combien là pour faire ça? 8. Le problème, c'est que c'est plein. Et ça, c'est toujours un problème quand c'est plein. Bien sûr. Cela dit, on est tellement plein de malt que franchement, c'est pas hyper grave. À quelle que soit sa taille, il faut améliorer ses 200 mètres cubes, c'est vrai? Ah bah, on va pas s'emmerder alors. C'est quoi ta quête? Ok, on va prendre les trucs d'influence. Toc, un nouveau bâtiment. Une petite épicerie fine. 9700, ah bah ça a baissé, go! On prend la petite épicerie fine. C'est parti. J'imagine qu'il va falloir payer. Alors on va lui reparler dans la foulée pour la quête. Très bien. Publicité dans les journaux. Ouais, en fait on a trois fois la même quête. Bon, c'est un peu dommage. Alors ici, on va convertir en espace supplémentaire. Ah oui, 200, c'est parfait. En avant. On va pas s'emmerder. Et donc du coup, ça sera notre espace de stockage ici. On va prendre un petit peu de temps pour tout mettre dedans. Toi, t'as quoi sur toi? Un peu de moonshine normalement. Ouais, tu vas aller le déposer là. Hop, le bois, on va le laisser parce qu'il nous servira un jour. Les fûts de bière, les matraques, on charge un max. Et on va déposer ici. Vas-y, tu poses, tu poses, tu poses, tu poses, tu poses. Ça, tu gardes. Ouais, ça, on a dit que c'était bon. On peut pas y faire grand chose de plus pour l'instant. Ah, ça fait plaisir, on a... On a encore 12 000 balles de réserve, quoi. Malgré qu'on vient d'en dépenser 9700. Alors, toi, t'as encore plein de points de mouvement. C'est pareil, tu vas vider un peu. On va vider ici. Donc, le blé, on laisse. Les bouteilles, on laisse. Le houblon, on prend. Le maïs, on prend. Les pieds de biche. Hop. Ah, doucement, viens là. Pof, pof, pof. Ouais, j'avoue, 200 mètres cubes, c'est pas mal, hein. Ça fait rêver. Cette quête-là, c'était où? C'était ici, il faut qu'on la prenne en passant. Et celle-là, c'était tout là-bas, ok. On va faire ça. Squashy récupère. Ici il y a des dettes. Ici il y a charge des gens qui voudraient participer à une soirée poker. Ça m'intéresse pas plus que ça. Très honnêtement. Donc là la loi publicité dans les journaux, visiblement elle est un petit peu buggée parce que on a eu trois fois la quête et donc on va réussir trois fois la quête pour la même compétence. C'est un petit peu dommage. C'est pas grave. On va prendre ça, toc, toc, voilà, très bien. On va aller du coup ici, non, ici, ah, si c'était peut-être là quand même, ouais, si c'était là. On va prendre un petit peu de sirop de malt, parce qu'on a une quête qui nous en demande, et on va vider ça, 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 un max de houblon, du jus de pomme, des matraques, tout ce qu'on peut. Pas de soucis. Qui c'est qui nous demande du sirop de malt? C'est tout là-bas.
J'ai pas relancé la quête ici. C'est pas bien. J'aurais pu relancer la quête. Direct. La bière artisanale. On va là. Mathieu, tu continues de faire ta petite session vidage. Tu vas prendre le cid. Non, le cid on va le laisser, on va bien réussir à le vendre un jour. Les matraques, très bien, t'es plein. Bah, je suis pas trop sûr que ça vaille le coup de mettre quelqu'un dans la malterie, Canton. Parce qu'elle produit déjà bien assez de base, ça nous apporte pas vraiment de thunes en vrai. Donc je suis pas sûr que ça vaille le coup. En fait. Après, si tu me dis que ça vaut le coup, pourquoi pas, hein, mais... J'avoue que par réflexe, j'ai tendance à me dire que c'est probablement pas hyper intéressant. Tiens, on a des petits tonneaux ici, et on a une quête qui nous demande des petits tonneaux. Ça pourrait être bon à savoir. Ok, ici il y a une descente. On a du mal clairement à acheter nos bouteilles. Peut-être qu'une petite loi pour investir dans les bouteilles, ce serait pas mal. On pose tout ça, on pose tout ça, on pose tout ça. Il faut qu'on aille s'occuper. Squashy est pas encore remise malheureusement. Il faut qu'on aille s'occuper du mec avec sa dette. Tiens, toi t'es comme ça. Bah écoute, voilà. Ça on dépose, les cigarettes on dépose, tout ça on dépose. On va changer notre collecte pour qu'ils viennent chercher ici l'alcool de qualité. Alors c'est où? C'est là. C'est là. Allons nous occuper de celui-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire, pour avoir quelqu'un juste qui gagne de l'XP. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça pourrait le faire. Le problème, c'est que... Globalement, on n'avait pas beaucoup de monde intéressant pour tenir des trucs. Alors si je regarde... Diligence, il y a une personne diligence, organisée, diligent. Ah, elle pourrait être pas mal pour le coup. Ça, c'est un nouveau. Et il est plutôt intéressant. On va aller le chercher. J'ai pas vu si c'était ici ou ici, mais on va vérifier les deux. Là, pour le coup, il y a potentialité. Organisé, diligent et faible. C'est parti, on le prend. Ça, c'est un nouveau, tu vois, comme quoi, faut prendre le temps de temps en temps. De regarder les nouveautés. Pendant qu'on est là, on va choper la bière, le maïs qui sert à rien, les pieds de biche. On va aller déposer un peu de bière là-bas, mais on est plein. Mathieu, mon cher Mathieu, t'as déposé tout ce que t'avais à déposer? Oui. Alors toi, t'as une petite voiture, donc c'est un peu plus long. 6 fruits par 6 fruits, ça va prendre des plombes. Je pourrais peut-être détourner un camion de son chemin, mais bon. Vous voyez qu'on a déjà du mal à suivre. D'ailleurs, toi, va falloir que t'ailles réparer un moment, Canton. Est-ce qu'en termes de moonshine, on a ce qu'il faut? À part l'orge, parce qu'on est plein, on n'est pas si mal niveau ce qu'il faut, donc... Canton, tu vas interrompre ta livraison pour aller te réparer. C'est parti. Voilà, du coup, tu vas pouvoir la reprendre direct. Excuse-moi. On n'arrive pas à recruter, à prendre de bouteilles, hein, encore. Hein. C'est terrible, hein. On s'en tire pas ici.
On s'en tire pas, on s'en tire pas. Bon, lui, cela dit, ça fera un bon muscle, hein, Zikino. Plutôt qu'un livreur, il ferait quand même un muscle intéressant. Ouais, Canton, c'est vrai, je l'ai vu tout à l'heure, l'étape de réparation, je l'ai fait dans chez personne, ça serait probablement une bonne idée. Vu la dèche de bouteilles, je pense qu'on va lui demander d'aller chercher des bouteilles là-bas. C'est chiant, mais... Vu qu'il sera le seul à taper dans ces bouteilles-là, tout là-bas, tu vas aller ici, tu vas en acheter jusqu'à 70... Puis tu vas aller ici, tu vas en acheter jusqu'à 70. Puis tu vas aller déposer tes bouteilles là. Hop. Alors est-ce que c'est bien intéressant? Ouais, on va aller acheter les bouteilles, on dépose les bouteilles juste après avoir pris la thune. Ensuite il faudra qu'il y retourne acheter les fruits à coque. Mais bon, c'est pas si mal. Squashy est de nouveau en état. Eh ben, tu vas pouvoir nous aider. Toi, tu vas t'occuper de vider celui-là. C'est parti, on vire ça. On vire le maïs. On vire les pieds de biche. On va là. Mathieu. Mathieu, Mathieu. Toc, toc. C'est là. Tu vires ça, tu vires ça, tu vires ça, tu vires ça, tu vires ça. Toc. Le reste on laisse, ok. Retourne là. Squashy. Tu vas jusqu'ici. Et nous, on a notre bière. On va aller la déposer là. Là, il y a de quoi faire, ok, c'est bon. Un peu de bière. Et on a de quoi à déposer. On n'est pas plein, je pense, donc on va passer chercher quelques trucs au passage. Voilà, 6 fruits. Et après, on va déposer là. Franchement, ça vaudrait presque le coup de prendre un mec et de le faire travailler là-dessus, quoi. Que s'embêter. Je pense que Mathieu. Alors c'est un peu chiant parce que c'est pas le plus intéressant, mais on va l'appeler entrepôt. Et tu vas récupérer dans la remise. Donc tu vas récupérer ici toutes les battes de baseball. Ouais, ça va être... Non, ça va être infernal à faire. Ça va être encore plus infernal à faire comme truc... Non, c'est... Ça va être infernal à configurer. On va le faire à la main, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va quand même être jouable, quoi. Ici, est-ce qu'on a assez de sous? Ici, ça pourrait être pas mal d'investir un peu. Genre dans une salle de pharaon, j'aime assez l'idée. Des jeux de dés, on n'a pas les jeux de table. Un jeu parfait pour plumer les jambes, hein, pourquoi pas. On va attendre parce qu'il va falloir qu'on redépose de l'argent, mais je pense que ce sera pas mal comme idée. Alors là, on a une dette à aller chercher. Très bien. Ici, du coup, on prend du jus de pomme, du houblon, pied de biche, pistolet, quelques matraques. On va aller là. Ici, du coup. On fabrique un salon de pharaon. C'est parti. Il faut 3000 balles. C'est parti.
Tac, tac, tac. Tac. Oui, c'est 3500, ça devrait suffire. On va aller chercher la dette. Donc on a découvert un bâtiment supplémentaire. Ok, très bien. Qui nous aime pas des masses, malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et il faut qu'on aille déposer nos biens ici. Est-ce que t'as des choses à déposer, toi? Oui. Viens donc là. Récupère encore un petit peu de fruits. Ah mais attendez, il y a un produit du fruit ici. Donc on va arrêter de vider le fruit, on va vider le reste déjà. Le fût de bière. Ah zut, c'est pas la bonne que j'ai déplacée. Ça c'est chiant ce truc là, il va me faire faire quelques boulettes je pense. Hein. T'as rien à poser toi? Bah non, t'as rien à poser, bien sûr t'as rien à poser. Bah retourne charger du coup. Garde dans la fabrique de Moonshine les éléments pour les missions des capitaines. T'as raison, mais pour l'instant je les connais pas. Du coup, je pense que genre les matières premières ont pas besoin, mais peut-être les armes, ouais. Les armes, ça peut être intéressant de les laisser pour ça. Là t'es chargé toi, donc toi t'es en 3, tu viens ici. Toc toc. Ensuite t'es en 3, tu reviens là. Et là on a vidé, on n'a pas vidé. Hop hop. Du coup on va aller déposer ça dans notre truc principal. Peut-être garder les armes du coup dans la fabrique de Moonshine. Ce sera pas mal. C'est surtout les armes qui nous ont manqué. Non, la Winchester tu la gardes par contre. Ça, ça et ça tu poses. Ah oui, c'est vrai qu'ils voulaient nous parler. Ils sont vraiment en train d'attendre là? Ah oui, ils sont vraiment en train d'attendre là. Sorokin, ils sont en train de se poser. Hein. Lui, il a une offre à nous faire. On va aller voir. Un de nos véhicules est un peu amoché. C'est Chocho qui a un véhicule amoché. Ok. Alors, on va aller voir ce sympathique monsieur. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, et on va arrêter l'épisode de VOD là parce qu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire un petit au revoir dans le chat le temps que je boive un coup. Et après, on s'arrête là. On s'arrête là pour la VOD, bien sûr. Et salut Flo, bah t'arrives juste au moment où j'arrête un épisode de VOD. J'espère que ça va bien. Dans tous les cas, à plus sur YouTube.